Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode du Donjon de Nabuck. Du Donjon. Toc 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 toc. Il y a une chose que j'aimerais faire sur cet épisode. Ah! Un anneau d'effort soudain. Endurance ou énergie astrale. Max 25. Endurance par tour, moins 3 régénéré. Je prends tout. Je prends tout. Et j'ai un gros sur qui ça m'intéresse, genre énormément. Ah, il a déjà des anneaux? Anneau de force mineure, anneau d'impact mineur. Ah, il a déjà des choses. Il a déjà des choses. Donc ça lui donne force 1. Impact physique 2. Hop, j'ai envie de déséquiper et te donner l'anneau d'effort soudain. On touche pas à mon or, Et de c'est mon filer la bague précieux. de force mineure au... Ah, attendez, 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 j'ai un gros là. T'as quoi toi? De la res et de la précision. C'est pas mal. Je peux pas te déséquiper. Même si j'ai l'impression que j'ai beau te donner toute la précision du monde, tu resteras nul. Mais genre vraiment. Ok. Bon, parfait. Ça c'est fait. Voilà. Ce qui pourrait être très très intéressant à faire, c'est d'aller compléter les différentes armoires à bouquins. Je sais pas forcément où elles se trouvent, machin et tout, mais je suis un abruti terminé, hein. Amulette de courage des ogres. Si les ogres avaient besoin de courage. La théorie des pièges. Potion d'adresse de castor ninja. Des castor ninja. Qui donne 4 en adresse, donc plus de move aussi, je crois. Vin du château de Trouillac. Tout prendre. Putain, je me suis mangé le piège, mais comme un noob. Ok, bon. Voyons voir cette bibliothèque. Enzorienne. C'est la théorie des pièges. Ok. Donc là, on est à 1 sur 2. La théorie des pièges, que nous raconte-t-elle? Enfin, on a 2 sur 4. La théorie des pièges. Généralement, face à un piège, on fait appel aux connaissances du voleur du groupe. Le dit appel doit parfois être effectué avec la double Morgenstern du barbare pour être mieux entendu. Une fois les connaissances réunies, le voleur tentera de désamorcer le piège. Une autre solution pour désamorcer un piège consiste à placer le nain du groupe derrière l'elfe et attendre que la nature fasse son travail. L'elfe ne tardera pas à être propulsé vers l'avant, désamorçant du même coup le piège. Ah, l'elfe, je tape du groupe. Parfait. Donc, j'ai un super truc pour mon ogre. Bah, écoute. C'est équipé. Et j'ai un collier en rab. Maître nain. Un talisman d'obstination. Je pense que... C'est un peu la destinée que tu le récupères. Hein. C'est un peu... Des potions d'adresse de Castor Ninja. 4 en adresse, ça me paraît énorme. L'adresse, qu'est-ce que ça modifie? L'adresse. C'est la précision et la parade. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je serais même presque intéressé pour mettre ça sur ce gros crétin. Parce que, en vrai, j'en ai marre qu'il touche rien, en fait. Il me fatigue. Fatigue à rien toucher. Donc, cette bibliothèque, on peut pas s'en occuper. Let's go. Toi. On a trouvé sa clé, donc de cellule sur le loot. Ah, merci, brave Jean. Je m'attendais à ce que ces soudards me torturent d'une minute à l'autre. La torture, c'est pour les lâches. La baston, c'est mieux. Pourriez-vous m'escorter hors d'ici? On doit beaucoup s'inquiéter pour moi. Vous êtes un percepteur de la coopérative? Absolument. Parfait. Il y a justement quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour vous. Parfait. Il y a du loot dans sa cellule? Y'a rien du tout. Au cas où. Au cas où le jeu aurait eu de l'humour, on sait jamais. Hein. C'est bon, on a votre mari. Mais pas du tout, ce n'est pas Gaston. Mais c'est un percepteur pourtant. Sans doute un quiproquo. C'est pas un quiproquo, c'est un percepteur. Certes non, belle dame. Moi, c'est Fernand. Zut, c'était le seul prisonnier vivant des maraudeurs. Mais où est Gaston? Hélas, Gaston est mort. Ils l'ont scié en deux pour s'amuser. Un jour qu'il s'ennuyait. Mais c'est horrible! Ouais, s'ennuyer, c'est nul! Bon. Mais vous pourriez témoigner de la mort de mon époux? Certes, oui. Alors c'est parfait. Veuve, c'est mieux que divorcée. J'aurais tout ce que ce gros imbécile possédait. Ah, mes amis, merci. Et puis vous, vous êtes plutôt bel homme. Merci, vous n'êtes pas mal non plus. Oh, c'est beau l'amour! Avec
avec du poil autour. Excellent le nain. Formidable. Réplique de nain sur 20. Il faut que j'aille encore me faire casser la gueule. Non mais là c'est pas possible qu'on aille se faire... Non c'est pas possible, faut qu'on remonte. Là faut remonter. C'est pas que... Voilà. Les ingrédients pour le pharmagicien. Trouver des œufs d'araignée géante. Donc on va redescendre pour les faire. Mais d'abord... on remonte. Hein. On remonte là, ça va pas être possible. C'est pas que... Voilà. C'est pas que j'aime pas le jeu mais... Faire un petit crochet par l'auberge. Petite taverne, tout ça, tout ça. Par contre, ce qui est casse-pied, c'est qu'on a, on a que l'escalier. Faut aller courir jusqu'à l'ascenseur. C'est casse-pied. Oui, non, mais le fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a les phases de chargement. Ça aurait été bien. Alors après, je sais pas si c'était possible, hein, forcément, avec les moyens qu'on a. Mais ça aurait été bien que le jeu bah, ait sa phase de chargement pour, vous, pour nous charger la première fois l'étage, mais qu'après, il ne le décharge pas. Je sais pas si ça aurait été possible ni rien, mais... Vu que c'est un jeu qui suggère qu'à chaque combat tu fais des allers-retours taverne, ça serait quand même pas mal. Parce que là, par exemple, juste pour prendre le repos long dont on a besoin pour se régénérer, on va se taper 4 phases de chargement. C'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd. Ah oui, ça serait bien de trouver les autres trucs où je peux poser des bouquins. Bon, bref, se reposer. Parce qu'en vrai, je suis en train de me dire, si on descend aux étages, on n'a pas fait le rez-de-chaussée. Peut-être qu'au rez-de-chaussée, il y a des bibliothèques. Je sais pas si sur la carte, ils me le disent. Non, ils me le disent pas. Hein. Bibliothèque, c'est tout. Trouver l'ombrelle de la résistance. Bah, je l'ai trouvé. C'est juste que c'est de la merde. C'est tout. Donc là techniquement si on veut bien faire, faudrait que je retourne à l'entrée. Ouais mais l'entrée c'est la fin. Bon allez vas-y on retourne au calme. Bon, on va éviter de perdre trop de temps non plus. Est-ce qu'on faut encore qu'on aille se faire casser le cul. Excellent. Non là c'est des araignées, on va les défoncer. Ça va bien se passer. J'aurais même dû commencer par ça. J'aurais dû stocker des antipoisons sur mes bonhommes comme jamais. Un petit crochet magasin vite fait en fait tant qu'on y est d'ailleurs pour vendre le bazar excédentaire. Commercer. Vendre la ceinture de chirurgien gobelin. Ah oui c'est les soins donnés. Cuirasse de voleur, on peut rien équiper, on est des clodos. On peut pas faire grand... beaucoup de vins de trouillac. Hein. Je vais en vendre 4. Hein. Voilà. Voilà voilà. Et, ah oui, le parchemin porno, bien sûr. Et les bières du donge. Il y a toujours une bière, on sait jamais. Les alcools rares et légendaires, on les garde. Je peux regarder ce qu'ils vendaient, j'ai pas envie de me ruiner chez un marchand. Ou, finalement, je trouve que ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire, on se fait casser le cul, tout court, basta. Le jeu veut pas le savoir. Impression que, quel que soit notre degré d'équipement, maintenant, on se fait casser la, casser la figure et puis terminer, quoi. Ah oui, mais non. Non, non, je peux pas défoncer la pierre, je crois. Mais c'est ça. Donc oui, comment j'accède Comment j'accède par là? Bah moi, je veux bien trouver des ordres. Ah, il faut que je puisse casser les portes. Donc je peux pas casser les portes. Ok. Ça va être derrière les portes en pierre. Donc, apporter les ingrédients au pharmagicien. D'accord. Let's go. Et ben ça nous permettra de voir les bibliothèques du premier. Alors si. Non, voilà. Problème de pas avoir de mémoire.
On m'excuserait, mais il y a une chose très importante à faire. On s'est fait avoir par un piège, on a changé d'étage, donc le piège s'est réamorcé. Donc on va aller désamorcer ce piège. Premièrement, parce que je sais pas si ça rapporte de l'XP, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me rapporte des bombes. Voilà, ça rapporte des bombes à mon Garen. Et j'ai rien contre le fait d'accumuler quelques bombasses supplémentaires, voyez-vous. Déplacement si lent d'un coup. Tirez sur le bon loquet. Voilà, on a gagné une petite bombe. Ça fait plaisir. Donc là on remonte dans la cave, il n'y a qu'une seule bibliothèque je crois dans la cave, on l'a déjà remplie, ça c'est sûr. Il faut que je vois juste s'il y en a une deuxième, parce qu'après tout on a débloqué l'endroit avec les orques, mais je crois qu'on l'a déjà rempli. C'était les orques, la connaissance sur les orques machin. Ça aurait été bien ça sur la carte qu'on puisse mettre à jour déjà les bibliothèques, qu'est-ce qu'il faut, ça aurait été bien, et qu'on puisse rayer ce qui n'est plus utile. Voilà, on en a une côté tripot là, par ici, mais je crois qu'elle a déjà été faite. On va aller la visiter quand même. Je vais être sûr, étage par étage, de ce qu'on a pillé et ce qu'on a fait. Mais je crois que c'est bien ça, hein. Ouais, c'est celle du tripot. Exactement, elle est faite. Ah ok, on peut... Ah c'est cool, on peut cliquer dessus pour aller se relire des bêtises, si on a envie. Okay, passe par là. Pourquoi j'ai deux objectifs de quête? Ah oui, non. C'est ok. Ah oui, parce que l'autre bibliothèque, je pensais à une deuxième bibliothèque, mais c'est celle avec l'histoire du renard, du machin et de la belette, là. C'est une fausse bibliothèque, va-t-on dire. À l'entrée, let's go. Parce que j'ai fait le tour des bibliothèques. En fait, il nous manque plus que l'étage 4 et le rez-de-chaussée. Donc si au rez-de-chaussée, j'ai rendu aucun livre au rez-de-chaussée, si jamais il y en a que je peux rendre. Ça a l'air de rien, mais plus 2 en force, c'était appréciable. Comment ça? Porte en pierre? Ouais, porte en pierre. Quand est-ce qu'il passe son niveau, l'ogre? J'aimerais bien savoir. L'XP de l'ogre. Oui, oui, on l'avait. Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Tatatadin. En pierre, donnant accès encore des trucs plus cool. Ok. Eh bien, c'est pas tout de suite. Non, mais... Tout ça pour refaire le tour. Non, alors, c'était discuté. Bon, c'est pas grave, on y est. J'ai rien à vendre. Tac, 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 tac. Ah ben non, j'ai rien à vendre. En plus, j'ai tout vendu, déjà. Et voilà. Nous avons trouvé les ingrédients. Diantre, je n'aurais pas parié là-dessus. Parfait. Je m'y mets tout de suite. Et voilà. Une gélule chacun. Parfait. Ah. Et maintenant, on va choper ce gobelin pourri. Ouais. On va lui scier les jambes avec un pied de chaise. Ouais. On va lui faire bouillir les yeux. Ouais. Et puis, on va lui fracasser la tête sur un coin de table. Ouais. Et puis, on va froisser ses vêtements. Ouais. Quoi? Un câlin miam miam, gobo. Il dit qu'ils veulent manger ensuite. Ouais. Ça a l'air quand même super méchant de lui froisser ses vêtements. Ça. C'est vraiment important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Il n'y a pas de bibliothèque à cet étage. Donc j'ai vraiment des collections de trucs couilles pour l'instant qui ne servent à rien. À moins qu'à l'étage abandonné, il y ait ces fameuses bibliothèques qu'il me manque. Peut-être un épisode plus court sans baston, je sais pas, je peux pas vous dire.
Mais ouais, on va essayer de se trouver ça. Parce que j'avoue, si on peut prendre des plus définitivement en carac, on se met très très bien. Il y a une porte là. Ah oui, non. Il y a une fausse porte ici. Alors, que je mette la carte à jour. C'est tout droit. D'accord. Bah, il n'y a pas 50. Il y a tout droit et rien d'autre. Parce que ici, c'est verrouillé. Ah ouais, c'est une grille aussi. Ah oui, le combat qui s'était très bien passé ici. Ils sont de retour sous vos applaudissements. Nos sympathiques invités qui vont encore boire un coup avec nous, jusqu'à plus soif. Pas cette fois, morveux en robe de chambre. On va te faire bouffer ton galurin par les narines. Très bien. Je vois que les choses se compliquent. Je rends l'antenne et je laisse nos sympathiques invités se faire massacrer par notre formidable public. Sacrilius, il s'est volatilisé. Tant pis, on va lui bousiller sa fête et tout casser. Chrome! Faut aller bousiller des saucisses, c'est ça l'objectif? Détruire les trois caisses de saucisses pour stopper l'arrivée des renforts. Chaque caisse nécessite deux coups pour être détruite et bloque un point de renfort après sa destruction. C'est vraiment... c'est vraiment le zombicide de Nahelbuck, quoi. C'est vraiment... excellent, moi ça me va. C'est quoi cette répartition d'alcoolique? Moi je dis un nain tout seul en haut. Tiens, ramène-toi par là ma fille. Ouais, quoique même pas, ouais, non, un voleur là-bas, excuse-moi. Viens par là, toi. On va mettre une fifi par ici. On a dit un nain tout seul. Là, il a besoin de rien d'autre. Il y a deux connards en haut. Autant dire, il n'y a rien. Ah, il y a encore une porte à énigme, je sais pas quoi, là, ici, là. Ok. Caisse de saucisse en bas, il y a deux abrutis. On va y mettre toutes les escadrilles dessus. Sur ces deux abrutis. Et l'autre caisse, on va envoyer un voleur. Into ogre, into sorcière. Into. Je pourrais presque faire quand même deux de chaque côté. Parce que là, j'ai vraiment envoyé le nain. Ouais, vas-y, le nain tout seul. Hein. Le nain tout seul, il va gérer. Ça va chauffer. 5 de précision. Est-ce que j'ai envie de faire plus 5 de précision? Est-ce que j'ai pas genre juste... Non. Parce que j'ai demandé ça. Ok. À 234 points de vie. Plaît-il? Bouclier! Et il a renversé un ogre. Hein. C'est bon pour vous? Parce que moi, c'est bon pour moi. Mon ogre, il est par terre. Je peux pas faire grand chose. Toi, il faudrait surveiller une zone de tir. Je vous en vois pas trop l'utilité. Tirer une flèche là-dedans, tu vas jamais rien lui faire. Par contre, tirer là-dedans, on peut peut-être l'emmerder un peu. Let's go. Des orques, par Chrome, on va leur latter la gueule. Putain, le nain se déplace littéralement d'une case, quoi. Ah, je l'atteins pas. Oh bah vas-y, maître nain. Let's go. Allez, à moi. Mouche un morpion à 800 pas. Ouais. Javard ta gueule. Bah visiblement non. Zom cassé, à moi. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Tonga,
Ah, ils ont un sorcier là-haut quand même. Hein. Juste voir une zone d'impact, je pourrais avoir les deux dedans. J'ai envie de te dire pourquoi je me gênerais là. Genre je viens là. Coucou. Ça c'est une bombe de gel. Ça me laisse tout le luxe de vous poignarder tranquillement dans le dos. Je vois pas où est le problème. Voilà. Comme ça tu joues pas. Ça, ça devient un problème par contre. Pas de renfort pour l'instant. Ok. Ah, c'est la zone de renfort, ça. Pas très gentil de molester un... Un mec au sol, hein. Moi, je le fais jamais, hein. J'adore l'humour. Oh, mais il a la caisse à PV, quoi. Prends ça, Bobiette. Rien de tel qu'une bonne bagarre avec des pochetrons. Oh ouais, carrément. Très joli. C'était carrément très ok. Ah. Est-ce que c'est pas le moment d'avoir des arguments? Ça défonce. Bah voilà. Rien d'autre à ajouter. Les nains, oui, mais les Panzani, hein. Du coup, ça m'intéresse pas que t'avances pour l'instant. À moi, merde! Ah à moi, vermine! Ok, ça subit du dégât. Hop là, je me place gentiment dans ton dos. Pouf pouf pouf. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Sans bruit. Un petit crit. Sur un mec gratos. Ah, t'as déjà dégelé toi? Ça, les mages orcs qui mettent des coups de boule. Ah, ils infligent du 4 hein, quand même hein, par rapport à tous les autres magots. À la noix là. Ouais, ça fait un peu mal hein, cette histoire. Ah, mais attends, je peux le savater au sol, lui là. Ah, c'est le moment de le savater. Hein. Allez. C'est le moment d'y aller. Hein. Y a plus de partiel, y a plus rien. On va reculer un peu. Non, savate-moi ça au sol. Dans ta gueule. Vous connaissez la blague de l'orque bourré? Glurg. Ouais, ça pourrait être intéressant de commencer à te distribuer des gifles, mais j'aimerais bien quand même crever celui-là. Il est pas mort. Ça va pas tarder. Le nain, est-ce que tu veux bien exprimer ton talent, s'il te plaît? Il a berserk, du coup le gars il est pas content. C'est officiel. C'est parti. Tu m'attraperas pas, nananère. Un arc, ça peut vraiment rater une attaque au corps à corps. Je savais pas que c'était possible. Tu
Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Il y a deux gars qui vont arriver. Il faut que je bouge de là. J'ai rien qui peut me permettre de me débarrasser de lui. J'ai pas assez fort. Je suis pas assez tout court. Ouais, bah tant pis, tu viens là. Loin dit, c'est un écoï, hein, le con. Hein. Mortal combat. Il y a un autre sorcier qui va arriver qui a pas l'air d'être un orc. Ça sent le festival. Ça sent le festival des conneries. Petit barrage d'acier. Je peux soigner ou tirer. Ça veut dire que je pourrais tuer celui-là. Salut, je suis le ranger de Loubet. Toi, t'es à côté de la grosse. Vas-y, tabasse. Oh putain, t'es insupportable. Tu rates tout ce que tu fais. Hein. C'est vraiment. Un café, hein, ça va être long. Ça va être très long. Maître Odin, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien avoir la politesse de me tuer cet enfoiré une bonne fois pour toutes? Numérotez vos dents, ça vous aidera pour après. Je vise l'œil gauche ou l'oreille droite? Et putain, il y a trois cibles sur le chemin, elle arrive à me toucher quoi. Ah mais parce que c'est pas tous des orques en plus. Ah non mais vraiment, vraiment ça me fout le démon de moi. Hein. Let's go, massacre-moi ça. Hein. En vrai, j'aurais pu tirer dedans, j'ai été couillon. Oh, ils arrivent avec un poulet. Eux, je les vois pas, mais ok, j'ai compris qu'ils arrivaient. Ah, il a une bonne gifle, hein, le ranger, hein, avec sa nouvelle épée. J'aime pas trop le poulet là, le concept du poulet car là. Moins un. Ok, va falloir commencer à s'intéresser à cette boîte. Hein. Elle est où? Elle est loin. En plus, elle est loin. Vas-y, cours, bon grand. Va falloir me l'arracher. Hein. Tac. Ok, j'en ai en moins. Les mercenaires se battent pour de l'argent, nous... Bon, il y a l'aventure. C'est pas faux, il y a l'aventure.
Non. Pousse-moi ce connard. Permettez-moi de vous parler de l'ogre. Voilà. Attention, ne marche pas sur ma robe. À moi. Je mouche un morpion à 800 pas. Ah, en fait, le poulet est un ennemi. Bon, ok. Je sais pas, le poulet les attaque pas, il vient vers moi pour m'attaquer, mais c'est un ennemi. Bon, ça m'arrange, hein. Je mouche un morpion à 800 pas. Ok, bah j'avais prévu de me soigner moi-même, donc let's go. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vraiment, c'est du soin magique, mais ça n'efface pas les flammes, hein. C'est un peu triste. Moi, je vais commencer à me rapprocher et tirer sur cette boîte. À moi. Globe d'épines, ok. Deux orques, ok. Pourquoi je prends... Ah, j'ai... Oui, parce que je suis ciblé par un ennemi. Ok, c'est pas un problème. On va tirer là-dedans. Hein. Tac. Gaspiller une baston dessus, mais bon, au moins. Voilà. Plus de renfort de ce côté-là. Qui souffre encore? Ça va pour l'instant. Pas intéressant. Pas ouf. Intéressant. Ça, moins de corps à corps, ça m'arrange. Voilà. On peut y aller, hein, ça, on a un bon gars. Hein. T'as fait 3 dégâts, mon nain. Mon nain, c'est vraiment le seul personnage qui vous manque tellement de respect. Oh, bah tu fais plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ça. Non, je vais pas spécialement bouger. C'est encore plus laid que les nains. Même pas en rêve. Ça commence à faire beaucoup de monde sur mon nain. Ouais. Pète-moi ça. Fini les ravitaillements, les enfants. C'est pas mal. L'autre qu'on a, ça est là-bas. Hop. Ah, je peux toucher personne? Non. Eh ben si. Eh ben... Y'a rien d'autre à ajouter. C'est du full raté. J'ai même pas eu besoin d'esquiver. Ouais, mon attaque de furtivité sur cette personne est pas très... Hein? Ça va pas être très... rentable, donc bon, bah vu que c'est un archer, on va y aller au poignard. Hein. On est d'accord, je peux pas te poignarder, ok. Donc on va y aller comme ça. Hein.
Sauf que tu fais plus mal au corps à corps, vieux, j'ai l'impression. Hein. Mais voilà. Ouais, c'est pas juste une impression. Hein. Ouais. 39%. Merci. Voilà. Je finissais ma gorgée de café, let's go. Hop, 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 hop. Il n'y a plus les petites saucisses de Loubet. Ça y est, les mecs se cassent. Hein. Tout de suite. Hein. Genre immédiat. Je vais le soigner lui, parce qu'à mon avis, il va frapper l'elfe qui est la plus fragile. Permet d'avoir un ranger full life. Ouais, je peux pas bouger. Ok, ben on reste comme ça. Attention! Ceux qui t'avaient pas vu à cause de ta taille. Ouais, il y a un petit angle, hein. Il y a un petit angle d'attaque. C'est le premier obstacle que je touche. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc non, on va venir là. Tac, tac, tac. On va expliquer à ce monsieur que ça sert à rien qu'il reste debout. Dégage. Voilà. À moi. Ça, c'est un joli soin. Ah, c'est... Je regrette de pas avoir la healeuse, du coup. petit regret, hein. Petit regret vite fait, hein. Je vous rassure, ça va pas durer très longtemps comme regret. Est-ce que je suis considéré comme au corps à corps et ça m'emmerde? C'est pas très gênant. C'est pas très gênant, même si c'est un peu chiant, parce que je peux pas avoir l'autre mago. Ah oui, de toute façon, j'aurais pas pu à cause de l'attraction qui... Ouf, c'était sale, hein. Dans tes rêves. Hey, il a encore une attaque, mais vraiment, ça m'énerve. Hein. Ah bah oui, c'est un barbare, donc il a et la multi-attaque et... Le petit commentaire. Oh là là. Ranger de Loubet qui prend tarif. Serre les dents. Donc là on est d'accord, c'est parce que j'ai plus d'endu que je peux plus tabasser. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ok, faut vraiment que j'augmente effectivement l'endu du barbare. C'est genre urgent quoi. Oui, 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 mais si tu pouvais toucher là-dedans, ça serait pas mal aussi. Hein. Genre, si tu venais genre au beau milieu comme grosse... Putain, qu'est-ce qu'il y a cavale par contre? T'as adresse à combien? À 8000? Hop, genre tu vois. Petite flèche comme ça là. Tac tac into tac tac. Mais pourquoi j'en ai pris une? Bon, là, il y avait largement de quoi rebondir. Hein. Le jeu qui s'amuse trop à m'infliger des dégâts pour m'infliger des dégâts, hein, vraiment. Oui, je pourrais potentiellement tuer celui-là, mais il vient de jouer, donc je vais pousser celui-là. Tant qu'à prendre des dégâts, allons-y. Voilà. Le nain. Le nain n'a plus d'endu. Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. Moi, je m'en fous, je vais en profiter pour tuer le connard qui est par terre. Sans aucune pitié. On ramasse l'XP, comme on dit. Hein. Là, c'est ramasser l'XP. Hein. C'est l'XP, il est par terre, il n'y a plus qu'à se servir. Hein. Ah ouais, grosse attaque dans le dos. Sur le nain. Hein. Impressionnant, mec. C'était vraiment oufissime. Franchement, si tu l'avais pas fait, je sais pas comment. Voilà, vraiment, ça aurait été impressionnant. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Le heal du healage. Du healage, je crois qu'il y a plus que le nain qui a moché comme un sourd là. Ouais, ouais, c'est un peu ça, mais je peux pas y accéder au nain. 87%, 10 dégâts.
Flat. 37. Je peux pas le tirer, lui. Je peux... Ah oui, parce que c'est du close. Ok. Ok. Aïe! Ok. Endommagé, toi ? Non. Je peux faire un petit pas de côté, là ? Intéressant. Je suis là ! Non, je précise ! Parfois, on ne me remarque pas. Mais non. Je veux que tu le tétanes. Let's go. Ta gueule ! Je pense que ça va se finir comme ça, mon garçon. Hein. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Joli. Allez, vous êtes plus que deux cons. Il y en a peut-être un qui va fuir à un moment donné. Globe d'épines sur toi, oui, si tu veux. Zog Zog, globe d'épines à toi aussi. Ça serait très drôle. Allez, l'outil est en train de fumer toutes ses esquives. Hein. Le soin sur le nain. Poète, 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 poète. Est-ce que tu peux basculer en furtivité? Je ne suis pas là. C'est pas compliqué, il n'a jamais été là. Alors on médite. Ah, il a carrément pas bougé, il a fait. Pas bougé. Il a eu un trop gros doute. File une saucisse. On en a plein des saucisses. Donc t'hésites pas, tu bourres le gars. Il est comment mon ogre? Est-ce que mon ogre il se mettrait pas un petit jambonneau là? Ouais, je sais pas. Tape là-dessus, vas-y. Voilà. Défonce-lui sa bonne grosse gueule à ce con, on n'en parle plus. Oh alors là, moi je t'explique. Quand t'es magicien et que tu vois ça qui commence à t'arriver dessus, hein, tu commences à te poser des bonnes grosses questions. Hein. Sur ta vie, être ou ne pas être, ou être mort. C'est pas mal. On peut soigner des bobos au doigt. Les plus gros bobos, c'est Ogre et Barbare. Je vais soigner Ogre. Coucou.
Touc. Je peux pas l'atteindre parce qu'il y a ça au milieu. Voilà. Et du coup, la mort surgit par le dos de l'ennemi. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Bah, un petit peu quand même, mais... Mais oui, on voit ce que tu veux dire. Ouais, faudrait taper ce connard, mais je vais me prendre des dégâts. Vas-y. Prends ça, fiole de plasmatique. Il a fait le descendre à 5 PV pour qu'il parte en déroute, là. Vraiment. C'est un sup. Les mecs sont si résilients. Oh, vas-y. À l'arc. Moi, j'y crois à mort. 79% de chance. Incroyable. Même pas mal. Arme de mauviette. Succès déverrouillé. Oh, je pense que c'est tuer quelqu'un avec, à l'arc avec le barbare. L'elfe gagne un niveau. Oula. Oula, il y a des grosses armures. Hein. Là, j'ai vu une armure de guerrier des clans de jambes de fer. Là, jambes de fer. Ok, ok, il y en a deux niveaux qui passent, c'est cool. Cette potion avait un aspect suspect. On prend tout. Par toutes les serrures de Nogal. Quelle pagaille. Non, il y a plus de saucisses, vieux. Retournons voir le Goldbarg. Mission accomplie. Mais où est passé le petit bonhomme vert? Il s'est tiré, cette espèce de foie jaune. Il a dû fuir vers une autre salle. J'entends des bruits étranges dans les couloirs. Sans doute un autre sacrifice rituel. Le Goldbarg a dit de nettoyer tout l'étage. Et galère. J'aime bien ce que j'entends pourtant. Allez, petit passage de niveau, on se régale, on se fait plaisir. Alors les vidages de ceinture, faut empiler. Il nous faudra une saucisse s'il vous plaît. Hop, en emplacement 2, je vous prie. Il y avait des stuff, mais pas pour lui, je crois. Potion de réchauffement corporel. Cette potion, je lui hurle. Ouais, ouais, c'est pour les cibles glacées. Elle a un subtil goût de vin chaud, bien sûr. Compétence du Rango. On me suggère adresse et force. Je suis d'accord. Le Ranger, j'aimerais bien qu'il puisse donc porter. Enfin, ok, un coup plein d'espoir et une affiche qui inflige si la cible a tous ses points de vie. C'est pas mal. Mouvement 1. Ok, je gagne un mouvement. Ah, imbibé de venin. Intéressant. Une attaque à l'épée suivie d'une insulte bien sentie qui retourne la cible vers le Ranger. Ah, c'est pas mal ça en effet de contrôle. Coup de bouclier, un coup de bouclier en plein dans le nez. La cible subit des dégâts et est étourdie. Ça, c'est très sympa. Ça fait du contrôle et vu que je suis à côté d'une elfe qui peut pas trop tanker, même lui, hein, c'est pas le champion du tankage, hein, on va pas se mentir. Du courage, ça augmentera encore son esquive et sa précision. Vas-y, même si bon, en précision, on est pas mal. Hein. On va pas se mentir. Plus de heal. Ça donne de la protection maintenant. Un chant suivi d'une danse entraînante qui augmente la force, l'adresse et le courage de la cible. Pas mal. Un tir qui inflige tranche tendon. Oh, c'est très joli. Les ennemis dans la zone d'effet se retournent vers l'elfe, subissent ce malus de courage et ne peuvent plus effectuer d'attaque d'opportunité ou de vigilance. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Un coup d'épée improbable. Une attaque à l'épée qui permet à l'elfe de regagner un point d'action si elle achève l'ennemi. Alors, c'est trop improbable. Mais je vais prendre le tir. Parce que c'est là où elle exploite le plus. L'elfe ne peut plus être empoisonné. Ça, c'était bien. Chaque tir, l'elfe esquivera toujours la première attaque d'opportunité qui la vise. C'est pas mal. Tant que l'elfe est adjacente au nain, elle gagne plus 5 en impact. Pour les tirs à l'arc. Elle n'a pas besoin de précision. Tatatata, et ne subit plus les malus de courte ou de longue distance. Elle gagne 3 en impact au corps à corps et à distance, donc plus 3 dégâts. Allez, je prends. On se fait un câlin ? Attends, celui-là, c'est quoi ? Les attaques et compétences de l'elfe qui utilise l'arc bénéficient de plus une case de portée maximale. Ça va, en portée, on est pas mal, puis elle bouge bien. Peut tirer une fois de plus, mais ça, c'est pas grave. Les ennemis nous cassent le cul avant qu'on s'en serve. Précision elfique. Améliore, entre guillemets, l'attaque standard à distance de l'elfe. Elle bénéficie de plus 10 en précision, mais les chances de dégâts collatéraux sont aussi augmentées. Je vois pas l'intérêt d'aller faire ça si ce n'est être roleplay. Améliore l'attaque standard de l'elfe à distance, elle inflige 10% de dégâts en plus. Ouais. Bon, c'est pas trop sur elle qu'on compte pour les dégâts. Ok, inventaire. Alors avant ça,
L'ogre, c'est bientôt ou c'est pas encore? Oh, c'est pas encore. Il va falloir au moins un gros combat pour que l'ogre... au moins. Les items, oui. Mais les panzani. C'est quoi qu'on a en réserve? Armure de guerrier des clans de fer. Ah, c'est pour le nain. On touche pas à mon or, c'est pour précieux. Le nain. Cuirasse, mon bro. Alors attends, j'ai pas regardé l'amélioration. Actuellement, on a du protection 3, on passe en protection 5 et on gagne de l'impact physique. Oh, bah, vas-y, on a tout gagné. Hein. Ah, quand même. Les bons objets, là, il est beau. Oh, il est beau comme un camion. Non, le marteau, ça va être plus par là. Le marteau, c'est pour qui? Barbare? Grand marteau de frénésie violente. Ah, l'ogre doit débloquer une compétence pour passer à une arme, en fait. 33-50. Ah, je perds un peu de dégâts max, mais je gagne large en dégâts minimum. Je prends de la précision, des chances de crit. Ah, c'est les mêmes. Et les dégâts critiques sont augmentés. Ah oui, il y a tout intérêt à passer l'ogre en arme, là. Le problème, c'est que je peux pas augmenter les armes de l'ogre pour l'instant. L'utilisation de marteau à deux mains pour l'ogre. Ah, il va falloir qu'on casse des portes, nous. Hein. C'est ce qui nous intéresse de ouf. C'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour le donjon de Nalbuck et je vous dis à la prochaine. Ciao!